Ce samedi 14 janvier 2023, Paga a dû se rendre à l'hôpital en urgence. Le candidat des Marseillais a senti son cœur s'emballer et a eu très peur, comme il l'a expliqué sur les réseaux sociaux. Ce samedi 14 janvier dans sa story Instagram, Paga a fait savoir aux internautes qu'il prenait la direction du nord de la France où il allait mixer. Mais juste avant de se rendre sur place, le candidat emblématique des Marseillais a tout annulé. La raison ? Il ne se sentait pas bien du tout. 10 minutes avant d'arriver dans la boîte de nuit, Paga a alors demandé à son chauffeur de faire demi-tour pour le conduire aux urgences le plus vite possible. Le futur papa sentait que son cœur s'emballait de plus en plus et il a eu très peur. Et à l'hôpital, les médecins lui ont fait savoir que ses palpitations avaient été provoquées par une surconsommation de boissons énergisantes. Mon cœur, il sortait, j'avais les mains moites, je sors de l'hôpital, des urgences. J'allais partir pour mixer dans le nord, dans une discothèque qui s'appelle le Zodiac. À 10 minutes d'arrivée là-bas, j'ai demandé au chauffeur qu'il m'amène aux urgences. Je commençais à avoir des palpitations. Mon cœur, il sortait, j'avais les mains moites. Je vais faire des tests, tout va bien. Il faut que je me repose, a d'abord expliqué Paga. Dans la foulée, il a fait savoir qu'il avait abusé d'une boisson énergisante, qu'il a bu en très grosse quantité. Hier, je faisais les mélanges avec. J'ai commencé l'apéro tôt et je l'ai fini tard. J'ai dû en boire 10. On m'a déconseillé de ne boire autant et de ne pas la couper. Paga met en garde les internautes dans sa story Instagram. Paga a ensuite expliqué qu'il avait des tests à faire dès lundi, même si ce qu'il vient de faire était nickel chrome. Le jeune homme a ensuite profité de cette mauvaise expérience pour mettre en garde sa communauté. Les amis, faites attention. Si vous sortez ou peu importe, n'abusez pas trop. Vraiment, on me l'a répété plusieurs fois. Si est-ce qui très très dangereux. Il y a même des risques d'arrêt cardiaque, a confié Paga. Depuis cette story, il est retourné chez lui à Marseille où il a passé sa soirée à se reposer. À lire aussi Paga, les Marseillais, bientôt papa, il réagit aux critiques concernant sa différence d'âge avec Giuseppa, article écrit avec la collaboration de 6 médias.